Une chanson qui devrait représenter notre voyage en Australie, c'est pas très australien, mais ce serait Vianney, je m'en vais. C'est ce qu'on a dit à notre famille, elle est nos trop amis. Bien, cette chanson, elle est trop bien. À la France, à l'Europe, on a dit je m'en vais, je prends mes cliquets, mes claques. Surtout quand elle s'énerve. Hello, c'est Team Gravelers et on est parti en PVT en Australie durant un an. On a commencé par faire nos 3 mois de ferme pour valider notre second visa pour la seconde année. Et après, on a voyagé en Australie dans le centre et sur la côte ouest. Des paysans et froid. Moi, je dirais immensité et kilomètres, parce qu'on en a fait des kilomètres. C'est super simple, vous allez sur le site de l'immigration, vous remplacez un petit questionnaire d'une quinzaine de minutes, après vous payez 300€ et vous avez votre visa pour l'Australie. Chiant et bien. C'est chiant ? Moi je dirais c'est bien. Ah, c'était sur la guib. Oui. Hein. C'est quoi ? Ah, le bouche australien. Il fait trop froid ici. Ah non, moi c'était Lucky B, tout le monde en parle et en fait c'est bien mais pas aussi bien. Il fait trop froid encore ici. Le climat. Non, moi l'accent australien parce que j'étais pas prête à ne rien comprendre à ce qu'ils allaient me raconter. Le high mate de tous les Australiens. Genre le mate c'est l'équivalent de mec. En fait comme en France on dit hey mec ça va, ils disent mate. Mais pour leur enfant de 2 ans, tout comme leur collègue de travail ou comme toi qui te croises au rayon fruits et légumes quoi. Et après les 4x4, ouais, il y a beaucoup de 4x4. Beaucoup de 4x4. Suréquipés. À ne pas faire, ne pas se dorer au soleil en faisant bronzette comme toute la plupart des filles que nous sommes comme en Europe. Ici vous allez clairement brûler, donc c'est pas la peine. Et chose à faire, bah faites le tour de l'Australie. Je dirais marcher en short dans les hautes herbes pour le serpent. Et à faire manger un fish and chips en Australie. Les bons fish and chips. Ouais. Toute l'Australie. Moi je dirais les toilettes publiques sont méga propres partout en Australie. Les points d'info touristes en Australie, ça ils te disent tout, tu sais tout et ils sont super sympas. Les free camps avec tous les Australiens en caravane qui sont méga accueillants. Les backpacks, les hostels, c'est toujours la fête. Origin Fields Festival que nous avons fait pour le nouvel an de notre première année, c'était une tuerie. Adélaïde. Darwin, sans aucun doute. Ah ouais, Darwin. Alice Springs. Toute l'Australie est sécurisée, vous craignez rien. Toute l'Australie. Le parc national François Perron, qui est sur la côte ouest, avec des couleurs, mais un orange, un bleu turquoise, c'est bluffant. Le bush australien. Je dirais la Explorer Way, en plein milieu du Red Center australien. Genre, vous voyez le délire Mad Max ? Ben, vous êtes dans Mad Max, en fait, y a rien. La McLaren Valley, près d'Adélaïde. Les vignobles d'Adélaïde. Ouh, chaud, je dirais la Gibb River Road. Je dirais la Gibb River Road aussi, 40 degrés, c'était compliqué. La Gibb River Road aussi, super humide. Darwin, climat tropical, ça ressemble beaucoup à la Guadeloupe d'ailleurs, très lourd, très humide. Le centre australien, c'est route vide. Le centre australien aussi, je mettais le cruise control, calé sur 100 km/h pendant 3 heures, je touchais pas la pédale. Mon pull et mon damar. Il avait tout le temps froid. Moi du coup ce serait plus pour le soleil, ce serait de la crème solaire, absolument. Et un fly net. C'est un espèce de filet que vous mettez sur la tête pour vous protéger des mouches parce que c'est invivable. Les mouches, ça va avec le fly net, mais les mouches on en a autant mangé qu'on en a frappé, qu'on en a... Ouais, c'est horrible. Enfin, c'est pas deux mouches, hein, c'est des milliers de mouches. Ouais. L'organisation. Et moi je dirais de kiffer en fait, tout simplement. Quand on a la chance de voyager, juste on kiffe. Elle dit ça, mais elle s'organise bon. On peut être organisé et kiffer en même temps. Organisé. Bus de nuit. Asie du Sud. Amérique du Sud. Lève tôt. Couche tard. Voyager. Rencontrer. Chez l'habitant. Instagram. La vélo. Casquette. Amour à la montagne. Amour à la plage, il a tout le temps froid. Photo. Rando. Plongée.
dispute. Bisous. Et sucré. Épicé. Kangourou. Quoi là? Nous aussi on t'aime, ready to go.